Bonjour et bienvenue sur Télé Afrique. Nous sommes à Songong Kassemblé. Quand vous êtes à Abidjan, vous cherchez maison, les appartements, les duplex, les villas pour acheter. Ne restez pas à la maison. Quand vous regardez nos vidéos là, déplacez-vous. Dans les vidéos, on vous donne toutes les adresses. Nous sommes à Songong. Quand vous ne vous déplacez pas, vous n'allez pas voir toutes ces opportunités là. On ne peut pas vous donner toutes les informations au téléphone. Il faut vous déplacer. Vous voulez acheter une maison? La maison, c'est des millions. Payez votre billet. Déplacez-vous. Allez-y, vérifiez. Touchez du doigt. C'est vrai, au téléphone, nous, on peut vous donner quelques renseignements, les trucs, mais on ne travaille pas généralement avec ces entreprises-là. Souvent, c'est des vidéos pour vous éclairer, pour vous montrer les zones-là. Aujourd'hui, tout le monde, Benjerville, nous sommes à Songong Kassemblé. Songong. Voilà. Voici les voies déjà faites. Vous avez les routes qui sont déjà bitumées. Voici. Les duplex, les gens qui ont souscrit, voici comment ça devient après. Des fleurs, tout. Les gens sont là. Déplacez-vous. Ces entreprises-là, généralement, ils ont les sièges aux deux plateaux, Cocody et autres. Mais sur ces sites-là, vous avez les bureaux de vente. Quand nous, on vient là, ce n'est pas à eux de nous donner les informations. Donc, dans ces zones-là, plein de cités ici, Songong Kassemblé. Il y a quelques années, 2021, je vous ai fait des vidéos ici. Tout ici, c'était la brousse. Aujourd'hui, vous voyez, la zone est en train de s'urbaniser. Songong, cette commune-là, c'est l'avantage de Songong, c'est que, voilà, c'est pas un peu comme Benjerville. Parce que ici, il y a eu quand même quelques viabilisations, surtout au niveau des voiries. Bon, pour l'eau et l'électricité, ça, c'est un peu autre chose. Mais au moins, il y a déjà quelques voies qui sont tracées. Et ça fait que les promoteurs sont bien positionnés. Et même les particuliers qui ont acheté les terrains ici sont quand même bénéficient quand même de ces modalités-là. Hein? C'est quand même facile de se déplacer ici par rapport à d'autres zones. Hein? Dans les autres coins comme Benjerville, les gens ont déjà construit et c'est maintenant qu'on cherche à faire les routes. Donc ça crée quand même un petit désordre et puis c'est difficile. Mais à Songong ici, vous voyez, c'est comme si nous sommes à Yamoussoukro. Hein? Il y a eu quand même une grande partie qui est déjà tracé, hein? La voirie est faite et puis il y a beaucoup de promoteurs ici. Déplacez-vous, renseignez-vous et puis voilà, quand c'est bon, vous vérifiez les papiers, tout ça, vous souscrivez. Beaucoup de personnes, les gens cherchent maison à Benjerville, à Grand Bassam, à tout ça. Regardez, ici c'est Songong. Il y a des gens qui ont refusé des terrains ici, disant que c'est Dabou. Mais aujourd'hui là, ces personnes-là regrettent. Regardez toute cette zone-là. Toute cette zone. Les voies sont déjà là. Beaucoup de promoteurs. C'est vrai, il y a d'autres qui sont lents. Mais il y a des gens qui sont négligents aussi. Quand vous êtes courageux là, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Donc quand vous mettez votre argent dans quelque chose et que vous suivez, mais c'est pas un truc de groupe. Donc vous, c'est votre maison qui vous intéresse. C'est à vous de voir comment discuter, comment négocier. Avec, quand je parle de négocier en fait, comment vous attendre avec le promoteur pour que vous rentrez facilement en possession de votre bien une fois que vous avez fini de solder. C'est un peu comme ça, ne restez pas là en train de vous plaindre et puis vous baser sur les ondits. Ah, les gens ont fini de payer. Non. Est-ce que toi tu as souscrit et puis tu es venu, tu n'as pas récupéré ta clé? Je ne défends pas les promoteurs aussi, hein, mais je suis en train de vous dire que quand tu veux quelque chose, il faut te battre jusqu'au bout pour obtenir cette chose-là. Donc tout ici, ce sont des opportunités, regardez. Il y a déjà tout. On vient en voiture, tout. C'est vrai, il n'y a pas encore de taxis, tout ça. Mais une fois tous ces sites-là seront habités, et tout ici, là. Mais les taxis, les bus vont se promener ici. Pour le moment, vous êtes véhiculé, vous avez votre voiture. Vous achetez votre maison ici. Vous faites votre forage, énergie solaire, tout. Bien, vous mettez votre compteur. Mais quand vous êtes là, au lieu d'aller dépenser de l'argent dans les résidences meublées et autres, là, vous venez vous entretenez bien votre roue, prenez un gardien qui est là, hein? Vous lui donnez au moins, même si c'est le SMIC, 60 000, 80 000 par mois, parce que la nature aurait du vide. Donc s'il y a au moins un gardien qui entretient un peu le jardin, tout ça, la clôture, au moins vous lui faites une petite chambre là, il dort là. À n'importe quel moment que vous êtes au pays, même si c'est 2 heures du matin, vous arrivez chez vous, vous ne gaspillez pas de l'argent dans des trucs inutiles. Hein? On ne paye pas à maison,
On ne souscrit pas à un programme parce qu'on veut forcément habiter dedans aussi. C'est des investissements. Imaginez ici des villas de 20 millions, 25 millions, 30 millions, 40 millions, ça dépend. Vous avez fait un business, vous avez eu un peu d'argent. Mais vous achetez 3, 4, 5 maisons. Ce n'est pas forcément pour habiter. Quand dans 5 ans, ces mêmes maisons-là, disons si vous les avez achetées à 18 millions ou bien 20 millions, mais dans 5 ans, dans 8 ans, ces mêmes maisons-là, vous pouvez les revendre facilement au triple même du prix d'achat. C'est comme ça qu'on calcule dans l'immobilier. On ne regarde pas le terrain ou bien la maison pour dire oui. C'est quel promoteur qui va venir faire maison à votre goût? Il n'y en a pas. Ce sont des commerciaux comme vous. C'est des businessmen. Donc, c'est des gens qui cherchent de l'argent. On ne peut pas les imposer de faire ceci, cela, à condition qu'on leur donne ces moyens-là. Sinon, c'est des gens lambda qui ont décidé d'investir dans l'immobilier. Donc, ils font du business. Ils vont non seulement économiser sur, par exemple, les terrains, mais aussi les matériaux. C'est pourquoi il y a beaucoup qui font des villas basses, là, ils n'ont pas beaucoup de risques. Mais en faisant ça, ils perdent beaucoup de terrain. Parce que si vous allez faire les découpages de 200 mètres carrés, alors que sur 400 mètres carrés, vous pouvez faire un immeuble qui va prendre beaucoup de personnes. Mais pour faire les immeubles, il faut beaucoup d'études, il faut beaucoup de moyens aussi. Donc, comprenez que les promoteurs, là, c'est des businessmen. Ceux qui doivent régler le problème de logements sociaux, c'est un programme de gouvernement. Voilà, c'est l'État. C'est l'État qui peut mettre une structure en place pour créer des logements sociaux où, voilà, on a la possibilité de critiquer, parler des conditions, parce que c'est avec notre argent qu'on fait les logements sociaux. Mais ceux-là, c'est comme des collèges privés. C'est comme des collèges privés. Donc, le gars a construit son collège. Quand l'État affecte l'enfant là-bas, mais l'État va payer. Donc, si l'État est en partenariat avec certains promoteurs pour qu'on puisse donner des logements à des trucs, mais l'État paye en contrepartie. Donc, ces promoteurs-là, ce ne sont pas des structures de l'État. Ce ne sont pas des structures de l'État. Déplacez-vous, cherchez, vérifiez les documents. Si vous avez la possibilité, gardez votre argent dans les projets immobiliers fiables. Voilà. Donc, c'était Télé Afrique. Pour ne pas être trop long dans cette vidéo-là, on va arrêter et puis encore, je vais vous lancer une autre vidéo sur ce même site-là.